Le tournage du Globe Fishing dans le Jura ayant eu lieu mi-septembre, Xavier va faire la fermeture de la truite sur la Seine, S-A-I-N-E, en compagnie de Pierre-Manuel Aubry, moniteur et guide de pêche qui ne pourra s'empêcher de donner d'innombrables conseils à Xavier. Le 8, vous allez découvrir ce qui sera certainement la pêche de cet été, le black bass à la frog. Mathieu Tourneur nous dit tout de sa pêche préférée. Cet été, ça va être grenouille partie. Xavier retourne sur le lac de Chalin, qui est la Mecque du Corégone dans le Jura. La pêche du Corégone passionne de plus en plus de pêcheurs. Est-ce pour le goût de sa chair, pour les incroyables rushs qu'il peut mettre, ou tout simplement car c'est toujours un moment convivial de franche camaraderie. À découvrir le 12 mai. Pas se marier. Le 15 mai, coup de projecteur sur l'association Coral Guardian, qui mène des actions pour sauver ou restaurer des récifs endommagés par l'homme. Le 19 mai, direction le fameux lac de barrage de Vouglan, pour une partie de pêche des carnassiers avec un furieux de la pêche au leurre, Didier Rouméas. Le 22 mai, Philfish est allé se glisser dans la nurserie des black bass pour nous montrer le comportement des basses pendant la période de reproduction et nous rappeler que pendant mai et juin, il est bon de les laisser tranquilles. Xavier ne pouvait quitter le Jura sans sortir un poisson du lac de Chalin. Avec Mehdi et le Beta, ils y retournent pour nous prouver qu'il y a bel et bien du carnassier dans ce plan d'eau. Il est juste pas évident à attraper. À voir le 26 mai.